Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre let's play sur Tomb Raider, aujourd'hui accompagné de Monsieur le Mort, le pilote. Il a essayé de nous sauver mais ça a raté, maintenant il est mort. Bon voilà, fini hein, pour les funérailles, c'était bien beau. Et d'ailleurs, petite chose que je viens de penser, on est vraiment synchro au niveau du let's play entre GTA et Tomb Raider. C'est très très clean, 9 épisodes des deux côtés, c'est bien. C'est bien, on va pas se plaindre de cette synchronisation. Et du coup, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait continué également la dernière fois. Du coup, c'est-à-dire se sauver de cette putain d'île. C'est finalement le but de ce jeu. La dernière fois, on a frôlé, on allait y réussir, mais finalement, l'avion qui est venu nous chercher a été foudroyé par la foudre, justement. Donc, maintenant, il va falloir essayer de trouver un autre moyen de s'enfuir d'ici. Je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas, faudra trouver. Également, du coup, le prochain épisode, qui sera l'épisode 10, sera tourné à la suite. Donc, je tiens à vous prévenir. Et puis voilà, donc on va continuer gentiment. Est-ce qu'on était venu au fond de camp la dernière fois? Non, je crois pas. Donc, il va y avoir sûrement un petit message de Lara. On va voir ça. Voilà, enfin. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. C'est pas rationnel. Tu sais que ce n'est pas rationnel, Lara. Il y a forcément une explication. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est de ma faute. J'aurais dû observer le ciel. J'aurais dû choisir un autre endroit pour l'atterrissage. J'ai pas fait assez attention. Ils sont morts. Mais non, c'est pas de ta faute. Du coup, si j'ai pu voir avant de commencer cet épisode, notre progression, du coup, on est à 26% du jeu. Bien entendu, à la fin du jeu, on sera pas à 100% vu que je ne fais pas le jeu à 100%. Donc en ordre d'idée, je pense qu'on est environ à, je dirais, ouais, approximativement un tiers du jeu, quoi. Environ, donc on a bien avancé tout de même. De toute façon, le jeu n'est pas très très long, mais il est bien. Donc voilà, c'est le principal. Hop, on va améliorer ça, du coup, fenêtre d'éjection poly qui va nous permettre d'avoir une meilleure cadence de tir. Voilà. Et on y va, du coup, on n'a pas de points de compétence, non. Et on est à 4 sur 10, journal de l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête, elle est sortie de nulle part. Ces nuages, ils ont comme encerclé l'avion. Écoute, Lara, j'ai vu le crash de là où je suis. Donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. Ok, donc on va devoir retrouver une nouvelle fois Ross, qui doit du coup ne pas être très très loin. C'est pour qui? On a quand même changé de paysage hein, par rapport au début du jeu. Vous voyez, c'est très montagneux maintenant. Non, ça c'est pas bon par contre. Le petit pose là. Waouh! On charge. Voilà. Et sur la police. Ouais, c'est tendu. Nous on arrive comme ça et. Ah ah! Ah bah c'est bon, on l'obtient du coup. La corde! Et c'est ça du coup que je vous avais dit quand on était au village là de la montagne, si vous le voulez bien. Ça va nous permettre du coup de tirer les choses vers nous, bien sûr les éléments qui ont des cordes. Hein, sinon, le reste ne fonctionne pas. Du coup si je fais ça, ça va servir. Oui, ça sert, ça sert. Ah, prends ça toi. Toi, pas d'abri. Merde, j'aurais pu plutôt enlever l'autre abri, ça aurait été plus facile. Oulalalalalala. Oulalalala. On va peut rester à l'abri là. Ok. Ouais, on l'a touché, mais il n'est pas mort. Attends, pourquoi j'ai fait rond hein. On va se rapprocher. Voilà. Ok, normalement on a clean la zone, il n'y a plus personne. Donc vraiment la flèche grappin, voilà, comme il l'appelle, va être très très pratique dans l'aventure. Du coup, comme vous voyez, appuyez sur R1 quand vous utilisez l'arc pour tirer vers vous les objets enveloppés de cordes. Donc exclusivement bien sûr les objets comme ils ont dit enveloppés de cordes. Donc sinon le reste on ne peut pas. Par exemple tu vas tirer cette caisse, tu ne pourras pas, essaye pas. Ok, donc ça nous fait un peu d'XP. Il n'y a rien d'autre ici sinon. On va aller voir comme si plus loin il n'y a pas, peut-être derrière la chute d'eau, parce que souvent derrière la chute d'eau c'est réputé pour cacher des choses.
Même si la dernière fois on avait été voir ça, bah, ça avait pas marché, il y avait rien. Je pense qu'il y a rien, mais je vérifie, non, il y a rien. C'est que je suis donné, caché absolument rien. Merci, c'est bon, j'ai compris. Ah ça, on peut fouiller, intéressant. Oh, on récupère des balles, ok. Toujours bon à prendre. Est-ce que ça, on peut le fouiller? Non, on peut pas le fouiller. Il vaut mieux pas aller plus loin, sinon c'est la chute. Et ça, c'est pas cool. Du coup, bah, bien sûr, pour progresser, va falloir attirer ça vers nous. Ah merde, faudrait que j'aie mon arc, du coup, sinon c'est pas possible. Voilà. Ah ouais, merde, je vais pas pouvoir sauter là. Si, c'est bon normalement. Ouais, c'est bon. Fallait juste le débloquer finalement. Et du coup, on peut aller là également. Voilà. Ici, on va du coup pouvoir fouiller les cadavres également. Là, on va pouvoir escalader. Ah, tout s'enchaîne. Normalement. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ouais. Il y a des matériaux, il y a des flèches. Les flèches, on n'en a pas trop besoin. Par contre, les matériaux, on ne crache jamais dessus. Très, très pratique. Hop là, le petit saut. Y a-t-il encore des ennemis hostiles dans les parages? Y a pas l'air en tout cas ici, pour l'instant. Ici y a rien. Non, y a rien normalement. Alors ça, du coup, normalement, on peut également le faire tomber. Non. Oui, ça c'est une autre utilité. Oui, ça sert de pont de corde, voilà. On va du coup tirer et ça va l'accrocher au poteau là. Et on pourra du coup passer les trous comme ça. On ne peut pas sinon franchir. Donc normalement si près du poteau je fais ça, elle devrait automatiquement l'accrocher. Voilà, parfait. Comme je vous l'ai dit là, on arrive vraiment dans des phases de jeu où je me rappelle plus de grand chose. Je me rappelle des trucs vraiment les plus importants quoi. Les choses principales. Alors ici, comment on va monter? Ah, ici, on peut. Par contre, il nous faut du coup... il nous faut un truc. Sinon... attendez. Ou alors celui-là, on peut faire tomber directement la cabane. Non. Elle est pas si fragile que ça, donc il faut pas exagérer. Dans celle-là, il y a quelque chose. Non, à part des balles que on est plein. Il n'y a rien. Mais du coup, comment on fait pour ici? Est-ce que faut que... Ah, je sais peut-être. Je peux tomber là? Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, ouais, on peut accrocher une autre corde ici. Pour la mettre ici, ouais. Et comme ça on pourra... Non? Pourquoi ça veut pas? Si, c'est bon. Un peu de mal, mais c'est ça passe, ça passe. Voilà. J'espère que c'est pas pour rien. Bon, il y a un petit coffre là qui nous fait gagner de l'expérience, mais à part ça, il n'y a rien. Ça va pas me dire quand même. Ouais, ok. Pour 20 XP, surtout, c'est pas le truc le plus énorme. Aussi du coup, avant on va récupérer ça, on va pouvoir défoncer les portes comme celle-là, on en a déjà croisé en plus des portes comme ça. À chaque fois je me trompe de touche, mais le truc de détection. Hein. Voilà, du coup on peut péter la porte et continuer à avancer tranquillement. Ta-da-da-da. Le village de montagne. Et on a rejoint Ross. Déjà. Je suis contente de te voir. Je peux en dire autant. Tout se passait très bien et puis... Il y a ah eu bah cette tiens, l'avion. Tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hé, on trouvera un moyen. Mayday, Mayday. Ici le copilote Jessup de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessup, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde.
Je sais, je connais les sacrifices. Non, tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Et là, elle est vraiment bien brave. Et du coup, regardez également ce qu'on retrouve, la petite, on va dire, statue. Elle est pas petite, hein, après, c'est sûr, qu'on avait vu, je sais plus où, mais on l'avait déjà vu. Donc on se retrouve ici dans une vraiment zone très très vaste où s'est crashé du coup l'avion, comme vous pouvez le voir. Ça a fait des dégâts, et vraiment une zone vraiment magnifique, vous pouvez le voir, entre les montagnes comme ça, c'est splendide. Du coup, on va aller au feu de camp. Peut-être un petit message, je ne pense pas, on en a eu un il n'y a pas longtemps. Mais par contre, on va pouvoir améliorer nos compétences avec un nouveau point. Alors, ce qui concerne l'instinct bestial... Ah, on a ça maintenant. Alors ça, c'est améliorer vos compétences d'escalade pour vous déplacer plus rapidement et augmenter votre résistance aux dégâts de chute. Bois bof. Et ça, utiliser votre perception améliorée pour trouver des récompenses cachées dans l'environnement. Ah, ça par contre, je prends. Je prends. Ça peut être très très utile. Ok, donc je pense qu'au niveau des matériaux, j'ai pas été voir, mais on en avait pas assez. Donc voilà. On va laisser ça de côté. Et on va tester, tiens, notre compétence. Notre nouvelle compétence. Oh bon, il y a beaucoup de trucs hein, qui s'affichent pour l'instant. Mais rien que pour les géocaches, vous voyez qu'ils sont quand même très très bien cachés. Ça peut servir, même si je ne le redirai je ne sais pas combien de fois. Mais je ne fais pas le jeu à 100%. Et là, du coup, on va pouvoir descendre. Je me souviens bien, il y a des ennemis là dans les parages. Dès qu'on va descendre, je crois même. Ouais. Je me rappelle, hein. Et quand même, la mémoire ne me fait pas tâche. Trois ennemis, il va bien falloir les gérer. J'ai pas envie de les faire comme ça en mode. En mode gros bourrin, on peut les faire en mode discret de toute façon. Déjà, il y a un qui s'est bien éloigné. Je pense que c'est faisable, sûr. Raté. Réussi. Putain, il a, je sais pas, il y a deux flèches qui l'ont frôlé, le mec il remarque rien. Et en plus, il y avait le cadavre pas loin. Ah bah tiens, 2 sur 2. Donc ce que je vous avais dit précédemment, j'avais dit que c'était que les gros ennemis qui lâchaient les pièces. Finalement, c'est faux. Ok. Bon bah du coup, on va pouvoir mieux booster son arc. Une sorte de ça va être cool. Un Yagen. Pour préparer des potions un Yagen, ok. Bah très 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 vieux ça. Les matériaux, voilà. Oh, une pièce de fusil, putain, on les collectionne là. C'était vraiment la cabane aux pièces, on va l'appeler. Modification d'armes disponible. On va pas retourner au camp rien que pour améliorer, ça servirait pas à grand chose. Ici, vaut mieux pas descendre. Ici également, donc on va continuer là où le dernier mec est parti. Je pense que c'est la meilleure solution. Mais il est parti où? Y'a quelqu'un? Ross? Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce. Mais il est parti de... où? Cet endroit, c'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Oui, bah, on peut le voir ici déjà que c'est la folie. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui. On ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord, on va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Je demande vraiment où il est passé l'autre. Bon, ah par... oh non, mais je peux pas utiliser. Il est passé où sérieusement? Là, mais il s'est volatilisé quoi. Est-ce que je tente le saut? Ah mais bug pas par contre, s'il te plaît. Non. Ouais. GG. Casse pas la corde. Non, tranquille, ça passe. Il s'est complètement volatilisé le mec quoi, sans respect, je me dis ouais je me casse. Par contre j'aime pas vraiment les zones trop vastes comme ça parce que wow, on va rater des trucs, c'est obligé. Regardez quoi, elle est tellement vaste la zone. Il y a des tyroliennes de partout, tu sais même plus où aller finalement. Donc déjà ici, la petite cabane, elle ne cache rien.
On va partir par ici du coup. On commence par les hauteurs, on finira par ce qui est tout en bas. 3 sur 10. Ah non, j'aime vraiment pas les gros zones comme ça, c'est beaucoup, mais alors beaucoup trop vaste. Et finalement, on peut pas continuer. Ouais. Faut aller par en bas si on veut aller de l'autre côté. Donc on va descendre sans problème. Ah ouais, ici. Ici, ah, attendez. Une géocache. Et un lapin. Deux lapins. Voilà, on gagne des matériaux. Non, je sais vraiment pas où aller là. Y'a rien ici. Non. Ah, pourquoi on doit éclairer ça par contre? Encore un défi? Non. Ok. Si vous voulez, je pense qu'on va d'abord descendre par ici. Ah! Regardez ce qu'il y a dans les environs. Il y a un tombeau. Souvent quand ouais, il y a des signes comme ça, c'est qu'il y a un tombeau. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas croisé. Bon, peut-être après on peut en rater, c'est vrai. Mais quand même, ça faisait un peu de temps. Bah depuis d'ailleurs le dernier truc de la montagne. Hein, dernier village. Du coup, il se trouverait... Ah, mais il se trouve là. Tout bête, tout con. Je vais quand même vérifier avant vraiment pour voir si c'est ça. Attendez. Je rêve ou on est là où on était avant? Oh mais on est de retour. Oh mais ok, bah. Tombeau, on l'a déjà fait. Ah, on est arrivé là. Ah bah ok. Oh là là, je viens juste de me rendre compte. Ah ouais, bah je pensais pas qu'on revenait en fait si vite ici. Ok. Je vais quand même vérifier, mais pour le tombeau, normalement, c'est du coup le dernier tombeau qu'on avait fait. Parce que quand je suis rentré ici, je me suis dit, oh putain, ça ressemble vachement à l'entrée du dernier tombeau, ça. Ah ouais, on serait de retour du coup. On a bien tourné en rond alors. Je préfère vérifier tout de même, mais l'endroit est, ouais, il est tellement ressemblant. Mais du coup, mais il s'est pas crashé ici l'avion. Parce qu'il y avait déjà l'avion crashé avant. On va comprendre. Laisse tomber. Ah bah non, de toute façon, il s'est crashé avant. Et qu'est-ce que je raconte? Oh, je raconte des conneries moi depuis tout à l'heure en fait. C'est bien ça, hein. Je peux pas avoir deux endroits comme ça. C'est pas possible. Ouais, ok. On est de retour du coup au village de la montagne. Et aussi, je devrais être con. Pourquoi il y aurait deux villages de la montagne? Oh là là. Il y aurait pas quand même deux zones avec le même nom? Bon, bah voilà. On est de retour du coup. Et cette fois-ci, avec le truc de corde. Donc, on va pouvoir quand même débloquer pas mal de trucs. Mais on sera aussi moins paumé parce que justement, bah, on a déjà quand même bien. Je ne peux pas faire ça. On a bien quand même nettoyé la zone. J'essaye le truc de la carte, mais ça se voit. Si, ah bah voilà. Vous voyez, rien que cette zone, elle prend quand même une bonne partie de l'île. Hein. Faut pas la négliger. Vous voyez, il y a tellement de trucs. C'est des trucs ramassés, ça, ou c'est des trucs oubliés? Je sais pas. Moins de balek. Je fais pas le jeu à 100%. Ok, donc on va descendre, je pense. Je sais qu'il faut que j'aille en haut, mais je préfère comme tous les zones, moi, avant. C'est préférable. Oula. Faire gaffe, quand même. Donc, il y avait déjà pas mal de portes, si je me souviens bien, qui étaient bloquées par les trucs de cordes, là. Enfin, qui étaient fermées et qu'on pouvait ouvrir, du coup. D'ailleurs, ici, ça sert à quoi? Ça, c'est assez intriguant.
Non, non, pas la flèche. Je me suis trompé de touche. Oh, ça fait rien. Ah si, c'est peut-être pour... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. On s'en fout. Voilà, là déjà on avait une porte. Parce qu'il y a derrière, il doit y avoir une toute petite pièce avec, bon, je sais pas, des matériaux, un truc comme ça. Des munitions et des matériaux. Donc c'était bien ça. En bas également, il y avait une autre porte. Ouh, lâche. Lâche. Mais non, il va m'emmerder à me dire que oui, je sais, je sais. Ah voilà, c'était ici. Ça encore, ça va être une petite pièce. En plus, c'est bien parce que vous voyez, du coup, on se retrouve au même endroit. Mais vu que c'est pas du tout le même temps, finalement, on se retrouve pas trop, quoi. Parce que la dernière fois, il pleurait des torrents, c'était la grosse tempête. Là, il fait plutôt beau, ça va. Ça change pas mal. Une fiole d'herbe médicinale. Avec des champignons dedans. Ok. Et des munitions. On n'est pas plein d'ailleurs, donc on les prend. Ok. Alors, pour la suite. Oula, il y avait... Ah non, mais non, eh, l'avion crashé, il était pas comme ça avant. Hein. Non, ça c'est vraiment l'avion qui vient de se crasher qui est ici. C'était pas ça là avant. Enfin, le... ce n'était pas là avant plutôt. Ouh. Apprends à parler avec Megafanta. Cours numéro 2. Vous voyez, c'est tout, tout cramé. On peut monter ici. C'est dur quand même de se repérer parce que vous voyez quand même. Ouais, c'est vrai que c'est le même endroit, mais ça a pas mal changé. D'ailleurs, ici, on n'avait pas accès avant. Si je dis pas de conneries. Si je me repère, là, c'était où se trouvait Ross. Donc oui, en hauteur, on ne pouvait pas y accéder. Donc ça, c'est un endroit exclusif. Donc là, ça va être vraiment... Ouais, on va, je pense, jusqu'à la fin de l'épisode un peu fouiller. Mais je pense qu'au début, prochain épisode, on fouillera encore. Deuxième pièce sur 3, ok. On récupère beaucoup de pièces également. Ça, c'est cool. Faut pas bouger si j'utilise mon instinct, sinon ça ne marche pas. Ok, bon bah pas grand chose ici. Je peux monter. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial. Ah, quoique là je peux aller sur le toit, mais ouais, bon, ça va servir à rien. Alors, dans la cabane, le cabanon, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ok. Ah bon, j'arriverai pas à lire parce que voilà, c'est mal écrit. Surtout que les planches de bois sont un peu cassées. Une fiole d'argent. Pleine de sang aussi. Faut le préciser quand même. Donc les mines, on est plein. Pas la peine d'en ramasser davantage. Voilà, ici on a encore un petit cabanon. À niveau matériaux, là on est bien. 438, on va pouvoir améliorer certains équipements, certaines armes. Surtout l'arc que j'ai bien envie de payer parce que c'est vraiment l'arme que j'utilise le plus. Même si je devrais là davantage comme utiliser mon pistolet et mon fusil d'assaut pour les trophées. Parce que j'ai reçu mon trophée avec, l'arc, donc ça sert vraiment plus à grand chose de l'utiliser, en tout cas pour ce qui est en termes des trophées. Mais bon, je ferai pas le trophée Batine parce que pour cela faut faire le jeu à 100%, et bah c'est pas le jeu que je voudrais trop faire à 100%. Il est un peu compliqué, même avec des solus c'est un peu chiant, donc non, je me pencherai pas pour faire ça. Ok, donc non, il n'y a pas grand chose ici. Je crois qu'on a fait le tour au niveau des auteurs là, qui n'étaient pas accessibles avant. Ah si, on a ça. Normalement, si on fait ça, on le tire avec l'arc, ça va mettre sur l'autre. Et après voilà, on récupère les matériaux. Et tout sera bon. On va tester. Tester, approuver, on va voir. Hop. Ouh.
Ouais. Ouais. Non. Et si on descendait? Hop. Hop. Gna 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 gna. Si on descend, qu'est-ce que ça nous fait? Ça va pas assez loin. Ouais, bon, laissez tomber, c'est des matériaux qu'on n'arrivera pas à récupérer, ça. Ou alors, bah dites-moi comment on le récupère, mais attendez, je réfléchis un peu quand même. Ah non, je sais. Non, non, c'est tout con. C'est plutôt attirer celui-là vers nous. Ce serait plus logique. Parce que ça, la corde est beaucoup plus longue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, après, on va en bas. D'abord, faudrait peut-être attendre qu'il se stabilise. Wow, non. Même s'il serait un peu dur à prendre. Ouais, non, on peut pas le prendre du coup. S'il se stabilise pas. Ok, normalement on est dans l'axe. Ça va brûler les matériaux. Ok, c'est bon, on les a. C'est pas les matériaux les plus faciles à récupérer, ça, je peux vous le dire. Ça nous donne 30 matériaux en plus, du coup. On prend, on prend. On n'hésite pas. Et bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait environ 30 minutes, donc voilà, comme d'habitude. J'espère que ce 9e épisode de Tomb Raider vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Du coup, dans le prochain épisode, on continuera un peu à fouiller la zone. Et bien sûr, on continuera l'histoire principale. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!